lancer. Vas-y, Lynch encore, là, c'est chiant, le lancer encore. Oh la rue. Oh la rue. Le poulet, magnifique. Et il est venu en glissant récupérer ce lancer de notre Panoff. Ça n'a pas fonctionné, attention, c'est Didier Balsamo, on le connaît, il est très rapide et très précis. Ouh là là, la déviation devant la cage était bien fait. C'est bon. Oui, hein, le lancer. Attention. Gabory, oh là là, c'était bien vu, là il a essayé de donner dans la cage, il y avait Nicolas Ritz en embuscade. Là, ce sont vraiment les Angevins qui sont menaçants, et encore un arrêt de brosse sur le lancer de... C'était qui? C'était Théo ou... J'ai pas fait attention. Philippe Allais, non, c'est Théo, il me semble. Et Bazevic qui est pris, attention Théo Sarliev, aux prises avec Carminati. Sarliev qui s'en sort, Sarliev. Oh là là, le sauvetage de brosse sur ce break de Théo Sarliev. Bien joué. Ouais, ancien de la Maison Rouge, hein, il a joué un petit peu chez nous. Derrière lui, Tempo, Joël, bien joué, bon, le lancer, oh, oh la barre transversale, bien fait de la part de Bouvet, derrière, bien joué, Dussault qui rentre, qui contourne un fauchon, Dussault, qui redonne derrière lui, Lorca, le lancer, oh, le but, Nicolas Ritz, ouais, qui a envoyé un missile, ouais, mais plein de lucarnes. Ouais, sur cette passe de Vincent Lorca. Et c'était Kevin Dussault qui avait fait le boulot. Ouais. Qui avait fait le boulot derrière. Et là, c'est un silence de cathédrale dans la patinoire. Ah oui, parce qu'il a, refroidi tout le monde, hein, Nicolas Ritz. Pour les hommes de Fansit, donc mon Pierrot, on te fait un gros bisou. J'espère que tout va bien de ton côté. Ouais, attention là. Allez, le Bouchard qui, avec Carminati. Le Bouchard. Attention, attention là. Oui, il contré. Peut-être Charles Schmitt. Charles de contré. Charles de contré avec Robert. Charles, but de Robert, non. Ouf. Oh là 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 là. J'ai vu la cage vide. Ah ouais, Charles là, Schmitt qui a mis tout son cœur. Là, il a mis une patate. Il a super bien joué le coup. Robin qui est arrivé et là, ouais, en embuscade. Et par contre, maintenant. Oui, mais c'est pas la première. Hein. De pénalité. Allez, qui sort de côté pour Robin. Robin qui sur ce son, toujours pas mis en place. Voilà, Colomban, ça y est. Allez, Robin. Colomban, pose Colomban, Colomban. Et voilà, bien. Donne derrière lui. Pour Nico, Nico Ruel. Ruel. Deuxième pour appeler la qui. Tempo. Nico décale tout de suite. Tempo Ruel. Nico Ruel. Ruel qui donne à Colomban. Colomban. Ah, Cassé, là, c'est bien. But de Nicole. Sur une superbe passe de Robin. Robin Colomban. Et voilà, l'égalisation briançonnaise. Ce duo magique, duo français là qui fonctionne à merveille et qui vient donner l'égalisation à 4 minutes de la fin de temps réglementaire. Exactement. Un partout dans cette rencontre qui décidément nous ravit. Ouais, c'est contré, attention. Attention, allez. Et but d'aller. Oh la mauvaise relance, qu'est-ce que je t'ai dit Pat? Pourquoi il est revenu derrière? Il fallait pas revenir derrière. Pourquoi il est revenu? Ah, l'erreur là! Incroyable! Que ça m'énerve! Ah, l'erreur de Carminati! Bon, après, il avait réussi à sortir. Oui, ça l'était sorti, mais bah, il fallait pas revenir derrière. Il fallait. Le joueur Briançon était à contre-courant, je vois. Ouais, c'est ça. Il a remis un petit peu ses coéquipiers dans le pétrin, comme on dit. Et là, on offre. Pas de risque, ah, pas de risque. Seul, hein, il en va au fond. Allez, 38 Zaradnik. Secondes, les gars, vous êtes capables, vous l'avez déjà fait. Zaradnik, Kurepanov, Torres, on se rue à l'attaque. Oui, bien joué. Le lancer, non, Kurepanov, le lancer de Nico, encore une fois contré, attention, allez, cette fois. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, c'est fini. Et voilà, c'est fini. Et Gabory. Clôturé la victoire. Voilà, sur cette belle passe de. De Giroud. Ouais, Giroud, Tommy Giroud. Et bien voilà, donc 3-1. 3-1. Dommage.